Bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour un haul Shein. J'ai fait une petite sélection sur le site qui est plutôt pas trop mal. J'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. C'est une petite sélection pour l'été, de robes, de maillots. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Il me tarde d'ouvrir les colis, donc on va y aller tout de suite. Je crois que je me suis trop lâchée sur les maillots de ouf. Alors, on a un petit maillot, une pièce comme ceci. Croisé dans le dos de cette matière. Donc à voir, je vous mets une petite photo ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai hâte de voir. Il a l'air un petit peu échancré au niveau de la poitrine, mais moi ça me dérange pas, j'ai une petite poitrine. Donc voilà, je vais aller, on va essayer ça. Ce maillot une pièce, j'aime pas trop. Je le voyais plus joli que ça. Et ici c'est un peu, les cordes elles partent un peu dans tous les sens. Les finitions sont pas dingues, on voit le blanc là. Donc non, je valide pas vraiment. Le dos est sympa. Mais non. Un autre maillot. Pareil, c'est une pièce. Je sais pas ce que j'avais avec les une pièce cette année. J'en ai jamais mis en plus de ça. Mais je sais pas, les une pièce, je les trouvais trop beaux et trop sympas. Quand t'as pas forcément envie de montrer ta couenne là, tu te caches un petit peu, bah voilà, c'est parfait les une pièce. Donc il se présente comme ça, bon, il est simple, hein. Il est simple, voilà, c'est un grand dos nu. Je vais m'inspirer évidemment des nanas, vu comment elles croisent, comment elles mettent les petites lanières et tout. Il est plutôt sympa, j'aime bien, le tissu est plutôt agréable, et en fait, bah voilà, il y a un grand décolleté, donc faut être à l'aise, hein. C'est vrai qu'il faut être assez à l'aise. Sympa? Oui, je suis un dalmatien, je sais. Un troisième maillot, je crois que j'en ai au prix au moins 6, je sais pas ce qui m'a pris, mais des maillots j'en ai pas beaucoup, j'en ai deux, j'en ai un ou deux je crois, mais qui me vont plus trop. Ouh, c'est un beau vert. Ah oui, alors comment je peux vous montrer ça, parce que ça part un peu dans tous les sens. En fait il est croisé comme ça, mais le vert il est trop beau, c'est vraiment un beau vert, j'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Voilà, avec des petits reliefs un petit peu en forme de fleurs. Et on a le bas qui est censé être une culotte haute. Comme ça. Alors, bon, je suis un petit peu déçue, je vous le cache pas. La couleur est vraiment jolie, la culotte, elle est top. Par contre, le haut, je m'attendais pas à ça. C'est trop, je sais pas. Il est mal foutu, en fait. Il est sympa, mais en plus de ça, il fait pas une très jolie poitrine. Voilà, et le dos, il est comme ça. Voilà. Ah ouais, il est vraiment sympa. Donc là, c'est un deux pièces par contre, celui-là. Attends que je comprenne comment il se fout. Comment il se fout? Voilà, ça c'est le haut. Comme ça. Et le bas. Comme ceci. On va voir. Bon, alors, ce maillot, il est trop beau, mais par contre, bah écoutez, impossible de le fermer. On ne comprend pas. J'ai essayé avec mon chéri de le fermer et c'est impossible, en fait. Si on le serre en haut, qu'on fait un nœud, bah, en fait, il remonte et tout se... Voilà, bah, on voit tous mes attributs. Il est trop beau, mais c'est dommage, je comprends pas. Donc, il va repartir, en fait. Dommage. Putain, ils sont trop beaux, c'est qualité, hein. Et c'est qualité, et c'est qualité, c'est qualité, c'est qualité. Ah, oh, j'ai mal à la tête. Alors, ça va l'air bien grand, dis-moi. Ça, c'est ouvert, carrément. Qu'est-ce donc? Ah, mais c'est un ensemble de pièces. Le tissu Shein, comme d'hab, c'est hyper fin. Un petit haut, comme ça, avec des petits froufrous. Et on a le pantalon qui vient avec. Comme ceci, qui est large au niveau des jambes. Alors comme d'hab, j'espère qu'il va pas être trop grand. J'ai un peu peur. Alors, cette tenue, qu'est-ce qu'on en pense? Elle est beaucoup trop grande. Voilà, je marche clairement dessus. Ça, c'est pas pour les petites, c'est pour les grandes. Elle est transparente. Bah, on peut voir d'ailleurs mon sous-vêtement en dessous. Et c'est trop grand, quoi. Là, un coup de vent et bah, tout s'envole, quoi. C'est très léger, mais c'est très très grand. Là, moi, j'avais pris quoi? Mais j'ai pris du 38. Il aurait peut-être fallu du 36 pour le coup. Bon,
Dommage. On va tout mettre ensemble. Par terre. Ouais, par terre, c'est bien. Hein. C'est bien de mettre par terre. Je vais mettre tout ça là. Parce que là, ça a commencé à être un chantier sans nom. Cinquième maillot. Je me souvenais plus que j'en avais commandé. Oh, la texture. C'est bien doux. Et donc, il se présente comme ça. Le haut. Sympathique, ça change. Des maillots triangles. Et enfin, on a le bas. Avec un petit nœud ici. Est-ce que je vais rentrer mon cul dedans, moi? J'ai l'impression que ça va être un petit peu serré. Alors, il est plutôt... Il est vraiment sympa. Et la matière, elle est vraiment cool. S'il te plaît. Voilà, si vous aimez pas être trop serré au niveau dans vos maillots, là, pour le bas, il me sert un petit peu. Mais sinon, il est vraiment... il est vraiment trop beau, quoi. Je suis vraiment bien dedans. Et il fait un beau popotin. Pas l'idée. C'est un autre maillot. J'en ai pris combien? Je crois que celui-là, il était assez simple. Bleu clair. Comme ça, bleu ciel. Avec... Ah ouais, c'est cool, c'est une culotte haute. Comme ça. Allons voir. Fitness, par contre, il va falloir que je me fasse le maillot. J'ai quand même quelques poilus qui se baladent. Je suis glam. Faut que j'ai hâte. C'est pas féminine, des fois. C'est vrai. C'est une femme, mais ça va être une femme. Je sais pas, c'est un bonhomme, j'en sais pas. Eh bien, ce maillot, il pourrait être mignon. Le bas, il est... Très bien, parfait la taille, mais alors par contre le haut, voilà. Dommage, il est trop grand. Et vu que sur Shein, on peut pas sélectionner la taille du haut différemment de la taille du bas, ben, du coup ça fait que moi je sélectionne du M tout le temps, parce qu'en fait en bas je peux pas mettre du 36, ça me sert trop. J'ai des bonnes hanches, il faut du 38. Et ben, forcément le haut, ils me mettent du 38 aussi, mais ben, voilà, moi j'ai une très petite poitrine, donc ça fait que ça nage. Donc c'est dommage, il repart, mais il est mignon sinon. J'ai deux petits hauts, en fait, comme ça. Là, je l'ai en bleu et en noir. Des petits hauts basiques. Voilà. Mais donc voilà, il y a une petite doublure au niveau de la poitrine. Après, c'est pas réglable les bretelles, attention. Ça peut emmerder. Donc, à tester. Avec un petit jean, un petit short, que sais-je. Donc les petits hauts basiques, bah écoutez, voilà... comme son nom l'indique, basique. On voit le repli à l'intérieur qui est un peu trop court pour le coup. Il aurait fallu que le repli soit là. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, un simple, basique et efficace pour l'été avec une petite tenue de tous les jours. Alors là, ah, c'est un autre deux pièces. Oula. Oulule, oulule. Alors déjà, il me paraît extrêmement large. Et qu'est-ce qu'il cache là en fait là? Ça va déborder là, enfin ça va déborder. Pas beaucoup à déborder, mais je sais pas où est-ce qu'elles vont se mettre mes tétines ici là. Ça me paraît hyper large. Bon voilà, c'est un petit haut comme ça, avec soit la jupe, soit le pantalon. Avec le pantalon. Comme ça. Les motifs sont sympas. Alors, cette petite tenue haut et bas. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Le pantalon, je marche un petit peu dessus, mais sinon il est hyper léger. Et le haut est un petit peu grand, finalement je l'ai bien, je l'ai bien resserré au niveau de la poitrine. Et je la kiffe cette petite tenue, elle est trop mims. Par contre, ouais, je marche dessus, bon, ça c'est vraiment dommage. On va mettre des petites plateformes. Mais pour l'été, ça va être super sympa quoi. Je crois que ça c'est une petite robe chemise. Oh, la couleur elle est trop belle. Quoi, ça pète? Ouais, donc c'est ça, c'est une petite robe chemise échancrée. Voilà. Avec la petite ceinture qui va avec. Et je crois qu'elle est un petit peu ouverte sur le devant. Mais ça, on verra mieux à l'essayage. Toujours assez fin. Donc pour l'été, c'est bien. Pour cette petite robe, je crois que l'on voit que moi. Non, là, pour le coup, effectivement, je suis dans une pièce un petit peu sombre. J'ai baissé les volets. Mais sinon je vous assure qu'à l'extérieur ça pète, mais je la trouve trop belle. Franchement, les filles qui adorent les couleurs et qui sont pas dérangées qu'on les regarde ou quoi, allez-y hein, franchement allez-y, elle est trop belle, la couleur est magnifique. Alors là on a une petite robe. Ah, c'est marrant, c'est pas la marque Shein, c'est Emery Rose qui a carrément une étiquette. Shein, ils ont pas d'étiquette comme ça.
Donc voilà, c'est une petite robe bleue. Voilà, qui est comme ceci. Avec une petite ceinture, elle peut être très mignonne, cette petite robe. Franchement, elle est trop choute. Pareil, la taille est parfaite. Je rappelle que je fais 1m56. Donc, pour certaines, ça peut être robe midi. Mais moi, c'est nickel. Et voilà, je l'ai agrémentée d'une petite ceinture parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. C'est pas très joli sans pour l'été, mais pour le travail aussi. Du coup, elle fait assez classe quand même. Donc, validez cette petite robe. Là, c'est la gamme petite ou quoi? Je sais plus. Mon premier jean sur Shein. Oui, 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 vous avez bien entendu, mon premier. J'en ai entendu que du bien des jeans sur Shein. Donc du coup, depuis le temps que je voulais tester, il est un peu môme, hein. Il est hyper large au niveau des cuisses. Hein. Et voilà, il termine comme ça. Alors voilà le jean. Que dire? Il est très sympa. En termes de longueur, c'est parfait. Par contre, bah voilà, il est un petit peu grand quoi. Il est un peu grand, c'est pourtant un 38, mais bah, il ne m'avantage pas vraiment. Je nage un petit peu dedans et c'est pas très avantageux pour le coup. Donc déjà que je suis un petit peu large au niveau du bas, c'est dommage. C'est une armature en tout cas. Ah oui, c'est un petit haut en fait corset, genre sous un blazer avec un petit jean ou quoi, ça peut être très mignon. Ça peut paraître un peu sexy comme ça, mais... je pense qu'on va essayer avec un petit jean et ça va donner un autre sens à ce haut. Pour ce qui est du haut, alors c'est pas ce vraiment à quoi je m'attendais, c'est pas l'effet escompté que je recherchais. C'est plus joli quand on a une grosse poitrine, parce que là vous voyez lui il est un peu perdu, il sait pas où aller. Il sait pas ce qu'il faut tenir ou quoi, et effectivement il n'y a pas grand chose à tenir, on va pas se le cacher. C'est mignon, mais voilà, pas pour moi je pense. Une petite robe. Oh, mims. Et je crois que celle-ci, elle m'a coûté 25€ quand même. Elle se présente comme ça. Bon, classique, légère. Et elle termine, elle retombe comme ça, en froufrou. Cette petite robe, elle est trop mimi. Pareil, la longueur, toujours ok. Formidable. Ça, c'est vraiment chouette. C'est ce que je redoute à chaque fois. Ça baille un petit peu. Je sais plus quelle taille j'ai pris. Normalement, c'est du 36. Mais bon voilà, c'est le décolleté qui est peut-être un peu trop plongeant. Ou alors, faudrait faire un petit point ici. Mais sinon, elle est trop belle. Les motifs sont trop sympas. Elle est vraiment cool. J'adore. Ah ouais, je crois qu'elle était trop belle, cette petite robe. Les couleurs, elles sont trop trop belles. Décidément. Même pas une petite robe, en fait. C'est une combinaison qui est ouverte comme ça sur le devant. Alors, attendez. Faut que je m'y retrouve déjà. Qui est ouverte comme ça, voilà, et qui va se croiser dans le dos avec un petit nœud, et voilà. Elle est trop belle, franchement, elle est trop canon, avec des petits talons, ça passe nickel, même avec du plat. Un petit dos nu, et elle est bien, franchement, les couleurs sont top. Il n'y a pas grand chose à dire, je l'aime beaucoup. Alors, ah oui, c'est un petit haut, un petit t-shirt. Mais qui finalement n'est pas si classique que ça. Tchoum ! Il est cool ! Find your way. Life is amazing. On a ça. Elle est incroyable, je te le fais pas dire. Alors, bah lui je le kiffe, il est trop cool. Franchement, j'ai pas mis soutif, désolé, mais la flemme. Il est cool l'arrière quand même. Un dernier maillot. Ah, la texture, je l'avais pas vu comme ça, je pensais que c'était du cordage. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez, je pensais qu'en fait ici c'était de la corde, mais c'est pas du tout le cas. Je suis un petit peu déçue. Enfin, de la corde et le bas. On va essayer. Alors, petit maillot noir. Donc, comme je vous disais, je suis un petit peu déçue des finitions. Je pensais que c'était du tissu en fait, du petit cordage. Par rapport à ce qu'on peut voir sur la photo, mais c'est pas le cas, donc je suis un petit peu déçue. Sinon, il est pas mal. Taille haute, il est sympa. Après, là, attention, parce qu'en fait, quand on le met, vous voyez, ça se tourne. Je sais pas comment dire. Mais sinon, je suis vachement à l'aise dedans. Vachement bien. Ça, c'est quoi? Ah, c'est une petite jupe cache-maillot pour la plage. Quand tu veux te promener, te balader, une petite jupe. Oui, c'est... on se voit à travers, quoi, hein. Mais c'est très bien, c'est parfait. C'est ce qu'il faut.
Voilà, il n'y a pas à déblatérer là-dessus, c'est un petit cache-cucu. Pareo, voilà, classique. Mais pour la plage, bah, c'est très bien. Pour se couvrir, c'est parfait. Alors, je crois que ça, c'est une petite robe. Ah, les couleurs, ils ont vraiment des belles combinaisons. Hein. Des belles petites robes. Alors ça, ces trucs-là, généralement, ça passe ou ça casse. Hein. T'as la partie, en fait, jupe, tu vois, qui est reliée avec un petit nœud au milieu pour que le haut arrive, tu vois. Et voilà, il y a un petit nœud dans le dos. Bon, bah, à voir porter, hein, à voir ce que ça donne. Mais franchement, les couleurs, elles sont trop belles. Et bah, elle est trop mimes. Voilà, le détail, les petits dessins, ils sont trop mignons, la couleur aussi. Je crois pas que j'ai des robes de cette couleur-là. Et comme d'hab, la taille est nickel. Un petit demi. Je suis contente. Là, on a un petit haut. Ouais, c'est un petit haut top. Que j'aimais bien. Voilà, la couleur était cool. Avec, voilà, croisé un petit peu dans le dos. Alors, ce petit haut, bon ben voilà, un petit haut classique, il est très mignon. Avec le petit cordage, il est assez fin et le dos est vraiment trop sympa. Et bon, il est cool. Voilà, rien de plus à dire, tout va bien. J'ai fait une petite sélection sympa quand même. En fait, je me rends compte que j'ai pas de jupe ni de short. Mais Dieu sait que j'avais tellement de choses dans mon panier que... J'ai pas tout pris, bien sûr, parce que je serais interdit bancaire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Pff, c'est pas du tout. Alors, c'est un petit haut comme ceci. Pff, comment vous le montrez, en fait? Là, faut le porter pour que vous compreniez quelque chose. Moi-même, je ne comprends pas. Ici, sans grande surprise, je n'aime pas. J'aime pas du tout. C'est pas du tout la matière à laquelle je m'attendais. Et je sais pas, il est trop court. Je suis vraiment pas fan du tout. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis très très contente de ma sélection. Un petit peu déçue pour la sélection des maillots puisque je misais beaucoup là-dessus. Et en fait, il y en a quand même quelques-uns que je renvoie parce que soit bah, ils sont trop grands, soit ils sont un peu mal branlés, mal foutus, pardon. Non, dans l'ensemble, je suis plutôt très contente de ma sélection. C'est pas la qualité de fou, mais bon, pour l'été, le tissu est léger, donc ça va. Mais sinon, c'est quand même des prix carrément abordables pour tout le monde et ils ont beaucoup de choix. Tout le monde peut y trouver son compte, quoi. Non, mais enfin, bon, voilà. Donc, je suis très ravie, très contente. Je vous invite à liker ma vidéo et t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes mes vidéos, abonne-toi. Ça me ferait super plaisir et ça me donne encore plus de motivation pour refaire du contenu. Que vous dire? Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée peut-être. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis. Bye.